parti pour un voyage en Norvège pour 2 mois et demi. Là, nous arrivons au nord du Danemark, à Hirtshals, où nous allons prendre le ferry pour passer au sud de la Norvège. Donc, c'est une traversée qui dure environ 3 heures, 3 heures et demie sur 140 km. Camping-car, on évite toujours les grandes villes quand on peut. Donc là, on a choisi de s'arrêter à Bryn. Bryn, c'est à environ 25 km de Stavanger. Et là, on est à la gare, on va prendre le train. Il y a à peu près une demi-heure de train et ça nous a coûté à peu près 10 euros pour 2 personnes. Aller simple. Nous sommes à Stavanger, la 4e ville de Norvège, avec 145 000 habitants. Ici, nous sommes dans le vieux quartier. Il n'y a pas eu d'incendie dans la ville depuis plus de 200 ans, ce qui fait qu'on peut retrouver des vieilles maisons qui ont été restaurées, ici dans le centre-ville. C'est magnifique. Stavanger est le centre industriel du pétrole en Norvège. Parce que le pétrole a été découvert dans les années 1970 et la Norvège est un très gros producteur de pétrole.
is cold in the rain. Let it flow. Guide where to go. Let it flow. Guide where to go. Nous sommes partis pour la randonnée de Pré-Castelaine. C'est une randonnée qui fait à peu près 350 mètres de dénivelé. Et on arrive sur un rocher, une plateforme à 600 mètres d'altitude. Bon, c'est une randonnée de 2 heures à peu près. Là, on a dû en faire à peu près la moitié. Le rocher surplombe le Lysfjord. C'est un fjord qui fait environ 42 km et qui est surplombé par des rochers qui montent jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Et devant, on voit une superbe randonneuse. Pour pas avoir trop de monde, on est parti du parking vers 8h. Parce qu'ensuite, il y a énormément de monde. Surtout que là, aujourd'hui, on est dimanche.